Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Ni no Kuni. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux deux autres villes. Avant ça je vais aller voir si j'ai de nouveaux objets ou du moins plutôt les objets débloqués jusqu'à maintenant. Parce que j'aurais bien besoin de cappuccino. Ça risque de me manquer pendant les boss. Là je viens d'aller à l'auberge pour me soigner évidemment parce que bah, y avait besoin hein, si je ne me soignais pas plus de PM. Et vu ce qui m'attend, ça risque d'être du lourd. Alors une petite seconde, je branche mon ordinateur parce que si c'est pendant que je filme, je pense que je vais fortement m'en vouloir. Voilà, bon du coup j'ai une bonne nouvelle, j'aurai Dragon Ball à faire remarquer, cette vidéo sortira après Dragon Ball. Donc ouais, parce qu'aujourd'hui je la tourne, on est lundi et Dragon Ball sort vendredi. Mais vous, pour vous, cette vidéo sortira probablement... alors attendez que je calcule, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, probablement dimanche. Donc bien après que j'ai eu Dragon Ball. Mais bon, grosso modo pour moi la bonne nouvelle, fait chier, c'est que j'aurai le jeu... Attendez, il y a un truc que je me demande là. J'aurai le jeu Dragon Ball en fait jeudi matin. Jeudi matin, et comme je suis en repos jeudi vendredi, je vais pouvoir carburer sur les vidéos. Et même Tokyo Mirage, je l'aurai vendredi jeudi. Donc je suis plutôt content. Ouais, la ville n'est pas touchée apparemment par le souci du mana. Ce qui est plutôt étonnant, mais plutôt agréable, parce que du coup, au final, je pourrai avoir ce que je veux. À savoir du cappuccino. Alors les Pune Phoenix, ça va, mais ouais, le cappuccino... on en manque très très vite et ça coûte très cher. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on commence par Almameu et dans la foulée on va à Kassler. J'aimerais pouvoir faire les deux boss dans la journée, enfin dans ce let's play. Comme ça au prochain let's play on peut directement aller à cette fameuse ville. Alors ce qui m'étonnerait pas, c'est que donc d'après ce que j'ai compris, Lena serait la souveraine de ce pays. Et je me demande s'il n'y aurait pas eu un soulèvement et si la sorcière céleste ne serait pas sur le trône à sa place en fait. Ou alors sachant que Lena est un fantôme, enfin ça pourrait être autre chose, je sais pas. Franchement je sais pas. À voir. Bon quoi qu'il en soit on va dans le palais. De toute façon systématiquement il faudra aller dans le palais. Hein. Question, est-ce que je vais arriver à les éviter? Peut-être j'ai réussi à les éviter. Je suis une bête. Depuis quand il y a une sauvegarde là? Vous pourrez pas me toucher les mecs, vous êtes trop lents. Bon j'avoue que c'est pas bien de sauter comme ça mais... Oui, donc je vais un peu vite parce que voilà, j'aimerais pouvoir faire les deux boss pendant cet épisode, bien que ça risque d'être fort difficile. On va essayer de voir si elle a une faiblesse. Chose qui me ferait plutôt plaisir, mais qui est peu probable. Alors, le feu, est-ce qu'elle crème? Le feu, elle crème pas. Le froid, est-ce qu'elle crème? Le froid, elle craint pas. L'électricité, est-ce qu'elle craint? Elle craint pas. Mais elle prend cher quand même. La lumière. Oh, la lumière, ça lui fait du mal quand même. Et voyons voir si je fais hors début, je sais quoi. Ok, ouais, donc ça sert à rien. On va plutôt... Oh, attendez, c'est vrai que je viens d'avoir... mince. Ah putain j'arrive pas. Je viens d'avoir un nouveau sort qui s'appelle Fulgure qui inflige des dégâts de foudre. Ah d'accord, c'est un sort de zone. Bon, remarquez j'ai pas fait de sort de ténèbres. Ah putain ça m'énerve ça. Je vais y arriver au bout d'un moment. Voyons voir si elle craint des ténèbres. Ce qui m'étonnerait mais bon. ...430 elle se prend.
trop tard. J'ai l'impression qu'elle est plus facile que le chat. 350, elle prend 10 de moins et ça me coûte 10 PM de moins. Alors quel est le meilleur sort à faire, je sais pas. Ouais, enfin pour 9 PM de plus, je lui fais 450, ça ira plus vite. Hein. Tiens, si on pouvait passer les animations en 10 secondes, je la battrais. Ah bah non, j'ai fait 350, ok, on reste sur l'humain. Bon, j'ai déjà enlevé plus de la moitié, elle va être fait très très rapidement, donc c'est plutôt cool. Regardez ce qu'il lui reste. Oh, que j'aime voir ça. Bim. Allez, encore un petit sort. En plus, elle attaque là où il n'y a personne. Comme quoi, l'IA de ce jeu est incompréhensible. Allez, on la finit sans même dépenser d'autres PM. Ah merde, mais c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ils ont 2 barres de vie. Ah, bonne idée, très très bonne idée. Reine Eugénie. Hop, hop. Cette fois-ci, je l'ai pas raté. Il en était hors de question. Mais quand je vois que ces boss-là, ils ont 2 barres de vie, j'imagine même pas combien de barres de vie va avoir. Celui de Kassler. Pas celui de Kassler, le boss de fin, je veux dire. Ça sert à quoi de se défendre si ça a aucun effet au final? Bon, il faut que je me restaure un peu les PM. Et pas qu'à moi d'ailleurs. Faudrait lui en donner un peu à elle. Ouais. Ah ouais, d'accord, on prend trop cher là. Bon allez, on y va, c'est parti. Si j'attaque jamais, je la battrai jamais. Allez, bim. Je crois pas que je vais te laisser gagner, ma petite. Hein. Ça m'étonne, j'ai eu 2 trucs d'affilée. Et pas d'orbe doré. Alors, toujours pas d'orbe doré. Nice, pas eu le temps de se défendre. Oh, chier.
c'est pas grave. Il faudrait que je passe à lui. Et dès que je reprends le contrôle, je fais voilà provision et rosée des fées pour bien démarrer le soin. Ensuite, il faudrait restaurer les PM à la soigneuse, évidemment. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Putain, je vois pas. Ok, ça va. Moi, je vais lui faire l'est. T'inquiète, ma petite, elle a... Je devrais te dire que t'es presque morte. Allez, bim! Et voilà, bon ça va, je me suis bien sorti, je suis content de moi, il était pas trop difficile. Et du coup c'est gagné. ねえ、オムス聞いて。評議会がやってること、あれは正しいの？騎士団長さんがね、話してるの私聞いちゃったの。今の王国は最悪だ。民は貧しさと飢えに苦しみ、町のあちこちで人々が生きたいてるって。ねえ、評議会の言ってることと違うのはどうして？どっちが本当のことなの？ 教えて、おむす。困りましたな。女王があのようにやる気を出されてしまうと、この国がすでに私たちの手に落ちているということ、それも民に知られかねないわね。女王の議会への参加、その程度許してやろうではないか。 あのような無知な小娘、これまで通り騙し続ければよいだけのこと。責任はすべて女王に押し付けたままでな。ええ、それがよろしいですな。あくまで生かさず殺さずということでございますな。
お父様、お喜びください。本日評議会が決定してくださったのです。私を王政に参加させてくださると。これで私もこの国のために働くことができます。私は今までの自分を反省しています。民のことを第一に考え、貧困と争いを根絶することに努めたいのです。お父様、古の魔法には人々を苦しみから救い、夢を叶えるものがあると聞きます。見ていてください。お父様、人々に希望をもたらす伝説の魔法、私はそれを必ず得得してみせますから。この王国の多くの民に希望の光をもたらすために。Ok, donc c'est parti, on va se diriger à Kassler. On va sauvegarder juste avant et se soigner. Et je suis plutôt impressionné maintenant, je suis sûr. Lena est bien soit un esprit, soit un fantôme. Parce que clairement, c'est pas son avenir qu'on a vu, mais en fait, son passé. Ça s'est clairement déjà passé tout ça. Et clairement, le Conseil des 12, ça me rappelle trop les 12 zodiaques qui sont avec la sorcière céleste. Donc, je sais pas. J'ai qu'une hâte, c'est de finir le boss de Kassler pour en savoir plus sur l'histoire, quoi. Vraiment, j'espère qu'on va le massacrer parce que... Mais du coup, je me demande qui sera le boss, étant donné que Pekari est avec nous. Donc, soit ce sera la machine qu'on avait battue à un moment donné, soit je sais pas. Ouais, franchement, je me tâte. Bon, évidemment, le téléporteur n'est plus là, on doit tous retaper à pied. Oh là, tu t'es pris pour qui, toi? Ah, bon, eux, il va falloir les combattre. Ils ont fait exprès, ils ont dit, lui, il veut pas se battre, on va le forcer. Putain, je viens de capter, mais du coup, ils ont été obligés de faire des arènes spécifiquement pour les villes, quoi. Allez, on se calme là, les gens. C'est quelque chose de mieux à faire. En plus, il va falloir traverser tout le palais. Ça va être galère. Là, c'est le plus gros donjon qu'il va y avoir avant d'arriver au boss. Pour ça qu'il vaut mieux tracer, je vous le dis direct. Si je prends mon tas à battre tout le monde, le let's play va s'éterniser. Et ça, je ne veux absolument pas. Bon, là, je serai bientôt... Ah, il faut exprès, hein. Il faut exprès, les petits salauds. C'est pas grave, de toute façon, je peux les battre, hein. C'est pas le problème. Ok, ils m'ont ensorcelé, les enfants. Aïe.
Ouf, ils ont raté. Allez, on y est presque. C'est bon. Bon, là, je vais rentrer dans le château, à voir comment ça va se présenter. Attends, vous savez que j'approche du niveau 50 avec les personnages principaux, hormis bien sûr Pekari qui est déjà. C'est un truc de fou quand même. Alors c'est marrant parce que c'est gris mais on voit pas le mana tomber par contre ici. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Ils en ont foutu un paquet ici quand même. Pirate de la bibliothèque, garde du palais impérial. Bravo Pekari, franchement splendide. Trop tard, tu m'as pas attrapé. Ouais, je m'en doutais un peu. Ouais, forcément, il faut aller. Alors ce qui m'étonne c'est que visiblement ils n'y ont pas mis des monstres dans les couloirs, j'aurais pensé. Rectification. Petite rectification, ils ont mis des monstres. Et il faut au maximum que je les évite parce que sinon je vais dépenser des PM pour rien. C'est là, j'ai été sûr. Donc au final j'avais raison. Mais théoriquement c'est une machine, il doit craindre l'électricité, non? Ah non, alors c'est la flotte. Oh, mais j'ai pas de flotte en fait. Enfin oui, j'ai le déluge peut-être. Non, déluge ça fait rien. Voyons voir, voyons voir. Morsure glaciale. Glaciale. Non plus. Question. Peut-être dans les invocations j'ai quelque chose. Quelque chose, putain, je vais y arriver, intéressant. Donc on a eu le vent qui fait des dégâts d'eau. Voyons voir. Et ouais, mais c'est ce que je fais. Lui-même, ça lui... Enfin, j'ai fait Noctus, putain. Voyons voir ce que ça lui fait un dégât Noctus. 327. Pas fou. Bon après il a à peu près les mêmes attaques qu'avant. Hein. Invocation... Ah bah dégâts de tempête, typhon.
Ah bah oui, il a 215. Ça change tout. Ça fait moins que l'humaine, mais... Est-ce que j'ai un sort qui fait des dégâts de tempête? Non, j'ai rien. Donc je suis obligé de faire invocation et d'aller sur Typhon. Ou alors je peux faire Aquavolt. Voyons voir combien ça lui fait Aquavolt. Chance. Ok, c'est pire. Il fait vraiment que d'aller en dégâts. Et l'humaine, ça lui fait combien? Oh, il a chopé un truc jaune. L'enflure. Oh, joli. Pas l'enflure, joli. Bon, là, il va passer dans sa deuxième barre de vie. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, elle a tous ses PM encore. Tu m'étonnes, jeune fille. On va faire une petite rosée des fées et je vois que je viens de lui enlever 400 à l'œil humaine, c'est plutôt bien, hein, plutôt très très bien même. On va refaire l'humaine du coup et je pense que je vais le sécher avec l'humaine, hein. Clairement il y a des grandes chances. Ouais, c'est bon, je le sèche avec l'humaine. Il va faire un sort lui aussi, l'enflure. Et ouais mon petit, tu peux pas gagner. C'est impossible que tu gagnes. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite. Et ouais. Je pense que là, t'es mort. Honnêtement, c'est bien ce que je pensais. Ah putain, c'est génial. Du coup, on va voir la cinématique qui va nous révéler les dernières choses. Juste avant la fin du let's play, comme je le souhaitais. Donc c'est génial.
私の名はレイナス。モーヤの女王、幼い日にはココルと呼ばれていました。その頃はお父様と共に何不自由ない暮らしをしていました。でもお父様が亡くなり、私が女王レイナスとなってから悲劇は次第に近づいてきたのです。何も知らなかった私は 12人の評議会に全てを任せました。しかし評議会は民のことなど何も考えていませんでした。平和だと思っていたこのモーヤの王国は貧困にあえぎ、争う多くの民で溢れ返っていたのです。私は知りました。人々が貧しさに苦しんでいること、 人々が争い殺し合っていること、そして私が彼らが決して得られない幸福な暮らしに溺れていたこと、私は心を改めました。人々のために尽くし、争いをなくそうと努めたのです。そして私はたどり着きました。世界を救うとされる 伝説の魔法、聖杯に。私は迷うことなく聖杯を使いました。この聖杯が人々の心を清めてくれるに違いないと。でも私の夢は悪夢へと変わったのです。聖杯に触れた人々が魔物となり殺し合う 悪夢は何年も続きました。気の遠くなるくらい、何年も何年も。気がつくと私の周りには誰もいませんでした。あの評議会の人たちも、騎士団の人たちも、王宮の侍女たちも、みんなみんな私の作った聖杯のせいで 死んでしまったんです。私は今一人ぼっち。でも私は死ぬことすら許されない。いずれ私は私でなくなるかもしれない。だからこの花に私の思いを託します。この花を手にしたあなた、あなたが Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui après ces belles révélations. Dire que c'est elle qui a lancé le sort, j'en reviens pas.
On se retrouve du coup demain pour la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.